أكبر. Qu'est-ce que ça vous fait de voir ces images, d'entendre ce témoignage? Oui, mais je suis d'accord avec, avec les images et la parole. C'est-à-dire, mais moi, je trouve qu'on n'a pas besoin de justifier ou d'être sûr si on a gazé par le gaz sarin ou par les barils explosifs. C'est-à-dire, il y a une dictature. La dictature, dans toutes les cultures du monde et les définitions du monde, c'est un régime qui fait subir le peuple une violence et une oppression, et il prive la liberté. Moi, je trouve, à partir de cette vérité, là, franchement, c'est une perte de temps. Parce qu'on fait perdre le temps à cette population qui meurt tous les jours à cause de ce jeu de conférences et d'essayer de dire qui s'est frappé, qui n'a pas frappé, c'est pas lui. Mais. Oui. Là n'est pas la question. Il y a une population qui souffre et là est le plus important. Cette population, elle a accumulé, il sait mon ami, des milliers et des milliers et des milliers de documents de violation des droits de l'homme. Les preuves sont là. C'est-à-dire les preuves sont là, mais c'est ce qui est absent. C'est pas la vérité. La vérité est là. Ce qui est absent, c'est ceux qui croient en la vérité.